La paroisse mère de l'église du christianisme céleste a célébré le dimanche 2 octobre dernier sa 115e édition de la fête des moissons. Tous les chrétiens célestes, pasteurs des différents diocèses internationaux, les dignitaires des chargés paroissiaux, les devanciers, devancières, frères et sœurs, sympathisants, tous venus d'ici et d'ailleurs, ont effectué le déplacement au Saint-Siège pour magnifier l'éternel Dieu des armées à travers un vibrant culte d'action de grâce. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. C'est le thème de la semaine, développé par le pasteur mondial Bennett Adeogun lors de son homélie.
75 ans d'existence de l'Église du christianisme céleste, 75e anniversaire des moissons de la paroisse mère, ambiance et joie, quelques dignitaires de l'Église et invités de marque sont sortis très satisfaits de la célébration et manifestent leurs sentiments. La fête, l'Église a 75 ans et la paroisse mère célèbre le 75e anniversaire, donc la 75e fête des moissons. Nous attendons de tous les responsables paroissiaux la gestion spirituelle, matérielle et financière de l'Église soit bien faite pour que les générations montantes puissent prendre l'exemple sur nous avec transparence, gérer l'Église. Les défis à relever sont nombreux et vous savez que nous devons continuer. Nous devons continuer à enraciner notre Église, hein? Pas seulement au Bénin, mais dans le monde entier. Et la parole du Christ doit être prêchée dans tous les pays, surtout dans notre Église, l'Église de la Céleste. On sache que c'est une Église révélée, une Église qui est née au Bénin, qui est donnée à Papa Oshofa, le fondateur, et qui a fait. Son temps, il est parti. Nous sommes la relève. Nous devons travailler dans ce sens-là pour qu'on sente que l'Église grandit de jour en jour. We thank God for his guidance and his mercy because the Lord of Oshofa has done a lot. We thank God for the gift of life. We are still part of the living. We are here at the headquarters, Port Novo, to celebrate our annual harvest. Everything is just merciful. We bless God for his work. Here is the headquarters. We are here to support the annual harvest because it's our land, it's our home, it's our house. We have to come, we have to make it, and everything has to be successful. And we believe the Lord of Oshofa can do it for us. It can change the impossibility to possible. On ne parle plus de l'Église du christianisme céleste d'avoir parti des chorales et l'animation, tout est parfait. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je pense que ça peut aller. Ce que je peux encore dire, c'est action de grâce pour la santé de notre papa, pour la santé du révérend. Et nous sommes très heureux et nous avons eu du plaisir à écouter sa prédication. Et qui surtout nous a pénétré et qui était une prédication très forte. La fête des moissons, organisée dans l'église du christianisme céleste, est en effet un symbole qui permet aux fidèles de vivre au quotidien la grande moisson à venir dont a parlé l'apôtre Jean, le disciple de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le pasteur mondial Bennett Adeogun n'a pas manqué d'inviter les fils et filles de la Sainte Église venus des cieux à s'approcher de Dieu avec un cœur pur et sincère pour qu'ils soient eux-mêmes des offrandes et des sacrifices de bonne odeur agréable pour le Seigneur. Message très important à souligner, l'édition 2022 de la célébration de la nativité aura lieu sur le site de pèlerinage de ces mêmes plages. L'information a été donnée lors des annonces du Saint-Siège. Chaque fidèle est donc tenu de s'apprêter pour vivre ces moments de cœur à cœur avec son Créateur.